Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va répondre à la question très simple. Est-ce qu'Alexandre Nevski est un monstre à posséder? On va éplucher les rapports comme promis. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater. Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, on y répond à toutes vos questions, j'y partage tous les screens, n'hésitez pas à nous rejoindre. Les amis, regardons avant cela rapidement les events, hein. Rien de notable, sauf un petit détail. La roue de la chance avec Nevski, évidemment, la taverne légendaire toujours. Allez, je fais tout de suite mon tour gratuit, je vais faire mon tour. Ah, j'ai un Alexandre, c'est pas mal. Je vais faire mon tour gratuit avec Alexandre. Il reste que 17h29 minutes et 1 seconde, donc ne ratez vraiment pas cette roue. C'est un excellent commandant, comme vous allez le voir. Donc la petite chose notable, c'est au niveau de Byzance. Regardez dans le sac, on peut avoir dans les récompenses à présent des pièces d'exposition et des pièces de reliques. Donc n'hésitez pas à foncer dessus. Vraiment, le musée et les reliques des anciens commandants, ça fait toute la différence. Vraiment, faut y aller. N'hésitez pas encore une fois. Allez, je vais aller jusqu'à mes 10 tours. Hein, juste avant de commencer les rapports, on va voir ce que j'obtiens. Regardez, hop, un petit coup comme ça. Je sais ce que j'ai. J'ai eu seulement 2 têtes. C'est pas très rentable. Mais c'est pas grave. Et je fais mon tour à 50%. Et c'est fini. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai juste un accélérateur. Commençons avec les rapports, les amis, et ce premier rapport où on voit un binôme assez simple, hein, le roi du chocolat, Xian Yu, face à Alexander, avec Alexander Nevski, face à Alexandre, hein, et Xiao Jun Yong. Alors, on n'a pas le détail du stuff pour celui-là, pour d'autres, je le connais. Vous allez voir, je vais vous montrer qu'il faut aussi se méfier de certains rapports qui pourraient dire le contraire de ce qu'est la réalité. On le voit sur son premier binôme, hein, Xian Yu et Alexander, évidemment, gagnent largement. Alexandre Nevski gagne largement 100 000 des deux côtés. Il reste pratiquement 50% des troupes du côté de Xian Yu et d'Alexandre. Donc là, premier rapport très, très favorable à Alexander. Ça semble déjà être un monstre, c'est ce que tout le monde dit. Sur ce rapport, on a le détail en plus, donc on va regarder le détail du bonus et voir que tous les des commandants des deux côtés sont bien évidemment expertisés. Regardez, attaque de cavalerie plus 152%, défense de cavalerie plus 103%, santé de cavalerie plus 61%, assez énorme, santé des archers et santé d'unité de siège aussi positif. Mais on s'en moque de l'autre côté, l'écart, regardez, l'attaque de l'infanterie n'est qu'à plus 132, quand on a cavalerie on a 152, la défense 103 contre 89, la santé 62 et 61, donc quasi équivalent. Donc on le voit, hein, en termes de bonus d'unité spécialisée, infanterie versus cavalerie, l'attaque est vraiment beaucoup plus puissante et aussi la défense du côté du binôme cavalerie Xian Yu Alexandre. Donc clairement, on est sur du très très lourd sur ce premier rapport et sur ce commandant. C'est bien pour ça que je vous disais, profitez du dernier jour de roue de la chance pour au moins débloquer ce commandant car il en vaut la peine. Passons au second rapport à présent et regardez, comme je vous le disais, méfiez-vous des rapports. On le voit, c'est un rapport qui vient du Discord partagé par Nico et Flo. Flo le banni, la bise à toi. Donc Nico et Flo ont fait un test et vous le voyez, Nevski et Guillaume Ier face à Ramsès et YSG. Et là, on voit Nevski se fait plier. Mais pourquoi il faut se méfier de certains rapports? Il y a déjà YSG à la relique et en plus un écart de stuff très important puisque d'un côté, on a max stuff côté Ramsès. De l'autre, du côté d'Alexander Nevski, on a un stuff beaucoup moins performant. Donc, ça fait clairement la différence. C'est pour ça que quand je prends un rapport, quand il n'y a pas le détail, j'essaye de lire tous les commentaires du rapport qui sont donnés ou contacter celui qui l'a fait pour être sûr que ce soit des rapports fiables. Surtout, encore une fois, quand on n'a pas le détail précis. Passons donc à un autre rapport. Cette fois, il s'agit d'Alexander Mina avec une relique
face à Xianyu Honda. Et là, vous le voyez, Xianyu Honda se fait littéralement désintégrer. Il reste 20% des troupes du côté de Alexandre Nevsky avec Mina. Ce qui fait qu'en fait, vous pouvez vous faire deux binômes. Si vous êtes comme moi et que vous avez déjà Xianyu avec Chandragupta, par exemple, vous pouvez vous faire un second binôme avec Mina Sarolik et Alexandre Nevsky, ce qui vous spécialise sur la cavalerie. Alors, bien évidemment, j'ai été longtemps spécialisé à l'infanterie, mais quand on voit ce genre de binôme et leur puissance, on se dit qu'on peut passer pendant un temps sur la cavalerie parce que là, c'est vraiment énorme. Donc, en termes de troupes sévèrement, gravement blessées, on le voit aussi un très net avantage à Alexander et Minamoto. Continuons donc sur les rapports et passons à présent à un rapport Saladin-Nevsky contre Xianyu et Nevsky. Donc, on a Nevsky des deux côtés. Quel est le meilleur des deux? 318 000 d'un côté, 260 de l'autre. Alors là, le résultat, je suis vraiment très sceptique. Et ce rapport-là, je vous le montre comme d'autres, mais il est à prendre avec des pincettes. Moi, je ne le considérerais pas. Alors, ok, Saladin est beaucoup plus tanky, mais il a fait beaucoup moins de DPS. Donc, à mon avis, ce rapport, il faudra avoir le détail pour vraiment le considérer. Je vous montre vraiment tous les rapports pour que vous puissiez les juger vous-même quand vous en voyez passer. Mais ce rapport-là, pour moi, ça ne montre pas que Saladin et Nevsky sont plus puissants que Xianyu Alexander. J'essaierai de vous récupérer un rapport avec le détail sur ce binôme spécifique. Continuons donc, les amis, avec à présent Alexander Mina, toujours face à Saladin YSG. Vous voyez, hein, toujours Saladin, il n'y a plus Xianyu, mais c'est Mina à la place. Et là, le rapport, il est totalement différent. On a pratiquement 2 millions des deux côtés et gros avantage à Nevsky Mina. Mais encore une fois, là, on est sur des troupes avec 2 millions, donc c'est des troupes de rallye et l'écart est tellement important qu'on ne peut pas vraiment se faire une opinion sur ce binôme-là. Et encore une fois, on a Saladin en face. Très probablement, ça a renforcé. On n'a vraiment pas le détail. Heureusement, on a d'autres rapports qui notamment ont été faits par Mimi. Si vous ne connaissez pas Mimi, je crois que c'est une grosse joueuse donc, qui a fait des tests vraiment fiables. Vous allez les voir, je vais vous les montrer tout de suite. Mais ce rapport-là aussi, on passe dessus, mais ça semble donner un avantage à Nevsky. Mais comme le précédent, hein, c'est la même source, hein, on ne va pas le considérer. Continuons donc avec un nouveau rapport. On a donc cette fois, c'est le rapport que je vous disais qui a été fait par Flower of Mimi et Rose of Mimi, deux de ses comptes, hein, donc dans les mêmes conditions. Là, on a la garantie d'être dans les mêmes conditions. Xianyu avec Minamoto d'un côté, de l'autre côté Xianyu Nevsky. On est vraiment sur du stuff équivalent, des commandants équivalents, donc on a quelque chose de fiable. Et on le voit, l'écart est encore une fois très favorable hein, à Xianyu Nevsky, plus puissant que Xianyu Minamoto. Hein. Regardez, il reste près de, que je vous dise pas de bêtises, 30% de troupes du côté du binôme Xianyu Minamoto, Xianyu Nevsky. Donc clairement, ce binôme-là semble être à ce moment-là, au moment où on recorde, hein, le plus performant. Est-ce qu'il va avoir un patch winner? Je ne sais pas. Mais ça a l'air de faire très très mal en termes de cavalerie. On continue donc avec les rapports de Mimi qui sont des petites pépites. Hein. Alexandre Cheok encore une fois. Face à Nevsky, Guillaume premier, un binôme qu'on n'a pas vu. William premier, 230 000 troupes des deux côtés. Et regardez là encore une fois, c'est énorme. 50 000 troupes, plus de 20%, pratiquement 25% de troupes de la cavalerie face à de l'infanterie. Alexandre en plus, il a son bouclier en skill. Eh bien, il se fait totalement détruire par le binôme Nevsky-Guillaume Ier. Donc clairement, c'est très très puissant, que ce soit en commandant premier ou en commandant secondaire, ce binôme-là. On continue donc avec, à présent, Honda avec Suleiman qui sert strictement à rien. Là, il n'y avait même pas besoin de faire le test, j'étais sûr qu'il allait se faire déglinguer. Hein. Face à toujours hein, Alexandre Nevsky, Minamoto. Et là, c'est pareil. Regardez, 230 000, il en reste 70 000 des troupes. On est à plus de 30%, pratiquement 35% de troupes restantes. Vous imaginez sur un rallye, quand vous avez ces défendeurs ou ce contre-rallye en face de vous, vous allez clairement le désintégrer. Ils vont prendre tellement de morts, ils vont prendre tellement cher les mecs.
Donc là, clairement, Honda, Suleiman, non. Évitez clairement ce binôme. Continuons, on est toujours sur les rapports de Mimi, hein. Gilgamesh, Nabucodonosor, un binôme très solide normalement qui fait énormément de DPS, toujours face à Xianyu, Alexandre Nevsky. Et regardez, c'est peut-être le rapport le plus favorable qu'on a jusqu'à présent. 91 000 troupes restantes. 91 000 troupes. C'est 40% des troupes qui sont encore vivantes. 40%, c'est vraiment très très important. Ils se font déboîter, nos amis archers, là. Archers face à Xianyu, Nevsky, impossible de tenir. On continue donc sur les rapports et on passe cette fois à un binôme qu'on voit beaucoup en ce moment. Je vous le montre énormément dans les zones d'open field ou les rallyes. Pascal avec Harald face à un très bon binôme, très solide, hein, 230 000 troupes. Face à Xianyu Minamoto, 230 000 troupes. Et là, évidemment, ça chute, mais c'est quand même plus de 20%, pratiquement 25% de troupes restantes du côté de Xianyu Minamoto. Pourquoi je vous montre ce rapport-là? C'est pour vous montrer l'écart aussi avec un Xianyu Nevsky. Si vous n'avez pas la possibilité de débloquer Alexandre Nevsky, Mina avec sa relique reste une excellente alternative et fait le job actuellement. Actuellement, il faut bien le reconnaître, les meilleurs binômes sont des binômes cavalerie. Xianyu, Mina, c'est très lourd, hein, et de l'autre côté, Alexandre avec n'importe qui, c'est très très lourd aussi. Donc n'hésitez pas à investir dessus. On continue et on repart sur cette fois du Alexandre. Hein. On reprend Xianyu, Alexandre et regardez le comparatif. Xianyu, Alexandre face à Pascal Cheok. Alors on n'est pas sur du Pascal Harald, hein, mais sur du Pascal Cheok. Et regardez comment Pascal Cheok se fait désintégrer. 102 000 troupes. On approche les 50% de troupes restantes. Vous imaginez, sur un rallye de 2 millions, il resterait 1 million d'un côté, 0 de l'autre, tout simplement énormissime. Franchement, je suis très, très impressionné par les performances d'Alexandre actuellement. Imaginez ce même commandant avec une relique, ça serait tout bonnement n'importe quoi. Continuons cette fois. On a Amanitor avec notre ami Artemis Première, du lourd en binôme normalement. Ça marche en défense, ça marche en attaque. Face à Xianyu, Alexandre Nevsky, encore une fois. Et là, on dépasse les 50% de troupes restantes. 116 000 troupes restantes. Clairement, nos amis archers, avec la sortie d'Alexandre et la relique de Mina, je suis vraiment désolé pour eux, mais là, la fête, elle est totalement finie pour eux. C'est mort. Arrêtez pour le moment d'investir sur les archers. Ça va peut-être être leur tour prochainement, mais pour le moment, les rois, les Kings of the Ring sont vraiment la cavalerie. Alexander, Minamoto, Xianyu, les trois commandants à posséder. Continuons cette fois. On prend un commandant d'open field classique. Guanyu, Leonidas. Normalement, ça fait très mal face à Xianyu et notre ami Alexandre. Et vous le voyez encore une fois, il reste plus de 20% de troupes. Du côté d'Alexandre, c'est vraiment, vraiment très, très étonnant. Limite lassant là de voir comment il déboîte tout le monde. Vous l'avez vu, hein? Excepté les deux rapports sur lesquels j'ai un doute, les trois rapports sur lesquels j'ai un doute. Alexandre ne perd aucun duel contre aucun commandant, que ce soit des archers, de l'infanterie ou de la cavalerie. Il déboîte tout le monde, tout simplement. Continuons. Cette fois, on prend du lourd. On prend un roi de l'open field, Xianyu, William Ier, Guillaume Ier, face à Xianyu, Alexandre Nevsky. On est quand même sur un binôme qui pèse du côté de Xianyu et William Ier. Eh bien, regardez, il se fait défoncer. Presque 30% de troupes restantes du côté de Xianyu, Alexandre Nevsky. Donc, aucun doute, si vous pouvez débloquer Alexandre, faites-le, moi-même, je vais le débloquer et le prendre parce qu'il est vraiment trop, trop impressionnant pour ne pas être pris à ce stade. Je vois même pas comment Lilith peut ne pas nous sortir un patch et dire oui, on a ajusté sa compétence parce qu'elle était buggée, elle ne fonctionnait pas comme on le voulait, mais ça change rien, sa puissance, et au final, on verra que ça change tout. Continuons donc sur les rapports, on repart sur des rapports qui ne sont plus cette fois de Mimi, donc dont la fiabilité est peut-être plus faible. Saladin, Nevsky, face à Xianyu, Nevsky également.
Et on le voit, le côté Saladin, Nevsky gagne. Mais encore une fois, regardez cet écart. Je reste donc sceptique parce que là, ça me paraîtrait, si c'est vraiment dans, exactement dans les mêmes conditions, hein, ce rapport, il me paraît vraiment oufissime. Si c'était le cas, ça serait tellement ouf. Regardez, le mec, il perd 318 000 troupes quand l'autre n'en perd que 20 000. Ça serait très, très étonnant. C'est pas impossible, hein. Mais là, donnez-moi votre avis en commentaire. À mon avis, ce Saladin-là, il y a un truc avec ces rapports-là, vous le voyez. Hein. Il concerne toujours le même joueur qui a fait les mêmes tests avec le même commandant, savoir Saladin. Continuons donc cette fois, Nevsky, Mina face à Saladin, YSG. Alors, Saladin, YSG, par exemple, je comprends pas ce binôme-là. Je comprends et clairement qu'il se fait défoncer. Là, ça m'étonne pas qu'il se fasse désintégrer, mais je comprends pas. On n'a pas tellement de recul non plus, donc encore une fois, méfiez-vous de tous les rapports que vous voyez. Certains sont à prendre avec des pincettes. Et on finit donc avec un arbre conseillé à ce stade-là. C'est l'un des tout premiers arbres sortis et conseillés pour Alexandre. On est sur du classique, hein. Regardez, pour cet arbre-là, on va chercher vraiment, vraiment très classiquement, hein. Sur la branche compétences, on va chercher les deux compétences en bas à droite et en haut, enfin bas à gauche et en bas à droite. Vraiment, on est sur l'arbre compétences classique, hein, c'est celle qu'on va chercher tout le temps. On fait tout le temps cet arbre-là avec tous les commandants qui ont la branche compétences, hein, quel que soit le skill. Si vous prenez par exemple Sun Z, c'est exactement la même chose. On va chercher la même branche et au niveau de sa branche, cavalerie, on va chercher également le skill maximum en 5 sur 5 en laissant bien évidemment les deux skills de côté, hein, qu'on laisse aussi. On est là sur un arbre très très classique, hein, de cavalerie. Tant cavalerie compétence, on est sur que deux branches classiques et cet arbre là semble être l'arbre qui fait le job actuellement. Donc, je vous l'ai dit, il faut débloquer absolument ce commandant. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Enfin, moi, c'est ce que je vous conseille. On va chercher les 5 têtes. Hein. Est-ce que j'ai suffisamment de sculptures pour le débloquer tout de suite? C'est ce qu'on va aller voir. Je ne pense pas parce que je n'ai pas de petite pastille 1. Donc, non, il m'en manque 3. Donc, on va aller chercher ces 3 sculptures. Enfin, on va essayer d'aller les chercher. On va voir combien ça nous coûte. On fait un lancer 5 fois pour 3600. Allez, donne-nous au moins 3 têtes. Donne-nous-en 8, comme ça, ça fera plaisir. Mais si tu veux m'en donner 0, 1, plus que 2 à aller chercher. Allez, donne-moi une deuxième, plus qu'une à aller chercher. Et allez, donne-moi des étoiles. Les étoiles, c'est la vie, moi, tout le temps. Non, ça ne sera pas pour ce tirage-là. Il m'en manque encore une. Je refais donc un tour à 3600. Et là, il va m'en donner 0 en général. Oh, les 8, j'y ai cru. Ça aurait été beau d'avoir les 8. Il va m'en donner 0, ce petit rat. Quel petit rat. Donne-moi 8, arrête de faire ton rat. Donne-moi 8, arrête de passer juste à côté. Voyez là, voilà. On va pouvoir débloquer Alexandre Nevsky. Je suis qu'à 5 tours des 25, mais les 25, ça devient quand même beaucoup moins rentable. Et je peux donc invoquer ce commandant. Évidemment, je vais le monter. Il sera très probablement en commandant secondaire chez moi. Donc, j'aurai pas besoin de le stuffer de ouf. Je vais le monter parce que j'ai de quoi le monter normalement. J'ai 1500 têtes, donc je pourrais l'expertiser. Les amis, je vous le conseille. Et pourquoi? Évidemment, si vous pouvez, prenez le pack Écrivain d'Histoire. C'est le pack le plus rentable du jeu. Et pourquoi je vous ai dit que je n'irai pas forcément chercher les 25 tours, hein, car au niveau des 25 tours, on récupère 5 sculptures génériques et non pas 5 sculptures du commandant Nevsky. Mais maintenant que je l'ai débloqué, c'est la même chose. Donc, est-ce que 5 sculptures, ça vaut 3600 gemmes? Oui, c'est rentable pour le coup. Donc, oui, je vais les prendre. Regardez, je fais mes 5 tours. On est à moins de 1000 gemmes la sculpture. Donc, on est sur du rentable. Allez, donne-les-moi. Voilà, il me redonne une sculpture. Il m'en redonne deux au passage. C'est toujours ça de prix. Donc, 7 sculptures pour 3600 gemmes. Oui, c'était un tirage très rentable. Mais maintenant, je retourne à l'économie de mes gemmes. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous y verrez plus clair sur Alexander Nevsky. N'hésitez pas au moment où vous verrez cette vidéo. Il ne restera plus beaucoup de temps au moment du record. Il reste 17h, 10 minutes et 4 secondes. Foncez, débloquez si vous le pouvez. Ce commandant qui est tout bonnement énormissime. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos.
Les amis, demain, vidéo pronostic Ligue Osiris. Ne la ratez pas. On va continuer de se blinder. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous. Et je vous dis à plus sur Rock. Make their head drop.